francebleu.com. 8h47, Made in Mayenne, nous mettons à l'honneur une entreprise du département et ce matin, Pascal Fouché, une célèbre entreprise. Ah oui, tout à fait, les tissus d'Avenières. Grégoire Finde, bonjour. Bonjour. Vous avez 38 ans, vous êtes à la tête des tissus d'Avenières à Laval, entreprise bien connue des Lavallois. L'usine a été construite en 1876, quai Paul Boudet. C'est en 1917 que votre famille rachète donc l'entreprise et pourtant... La famille Fint n'est pas mayonnaise. Non, effectivement, la famille Fint est une famille du Nord, une famille de ch'tis, du côté d'Armentières. Et l'entreprise avait été créée initialement en 1881 à Armentières par mon arrière-grand-père, cinquième génération. Et c'est donc une opportunité qui a fait que la famille s'installe à Laval ? Non, on peut pas parler d'opportunité puisque l'événement principal qui a motivé l'exil du Nord, ça a été la Première Guerre mondiale avec des ateliers bombardés et détruits. Et donc ils sont venus s'installer ici à Laval, oui, et reprendre l'usine qui était déjà construite sur les bords de la Mayenne. Une entreprise qui a dû donc s'adapter à différentes crises. La guerre, bien entendu, vous venez d'en parler. La crise économique également qui a touché le secteur du textile, mais aussi à certains phénomènes climatiques aussi. Oui, puisque la tradition orale dans la famille nous enseigne qu'en 1966 ou 7, il y a eu une inondation très importante au niveau des ateliers, une crue record de la Mayenne, qui a détruit pratiquement en totalité l'outil de tissage, puisqu'à l'époque c'était encore du tissage, et qui a marqué un coup d'arrêt brutal dans cette activité au niveau de l'entreprise. Donc effectivement, un phénomène climatique. Et qui n'a pas repris alors ? Non, il n'y a plus de tisserand à Laval. Il n'y a plus de tisserand chez Tissus d'Avenières à Laval. Aujourd'hui, on ne fait plus de tissage depuis cette inondation catastrophique. Il y a un virage qui a été pris à ce moment-là vers la teinture, qui était déjà pratiquée dans l'entreprise, mais qui est restée comme la seule activité. Et à ce moment-là aussi, l'impératif de trouver d'autres activités et pour la première fois, l'intégration dans l'impression des tissus qui est devenue l'activité première encore aujourd'hui. Alors si aujourd'hui on ne fabrique plus de tissus, d'où proviennent ces fameux tissus que vous travaillez ? Alors aujourd'hui nous achetons effectivement nos tissus majoritairement et presque totalement d'ailleurs chez des tisseurs vosgiens, donc dans l'est de la France, qui reste un bassin textile très très important au niveau du pays, et quelques achats en Belgique, en Allemagne, on va dire, enfin pour simplifier c'est 90% des achats français et les 10% restants, Europe occidentale. Alors, vous nous l'avez dit, plus de fabrication de tissus ici. Il y a aujourd'hui 43 salariés. Ça reste donc, j'ai presque envie de dire, une petite unité de production. On réfléchit donc plutôt au dessin, au motif sur le tissu. On travaille également ce tissu qui est tout brut, qui arrive à l'usine, qu'il faut donc remettre entre guillemets en état pour pouvoir l'imprimer, c'est ça, le colorer ? Alors expliquer ça en 30 secondes, c'est un vrai challenge. On part d'un tissu que nous on appelle tombé de métier. C'est par exemple un coton qui vient d'être tissé, qui n'est pas blanc, qui est un petit peu jaune, qui a des impuretés, des petites, ce qu'on appelle des puces noires qu'on doit laver, préparer, etc. pour qu'il soit blanc. Ensuite, on va l'imprimer avec un dessin qui a été mis au point au préalable, et puis lui apporter un certain nombre de finitions pour que le toucher, par exemple, soit agréable, etc. Et ensuite, on va pouvoir le conditionner, l'expédier chez nos clients. Combien de mètres de tissu sortent de l'usine ? Par an, en moyenne à peu près, on livre 500 000 mètres de tissu chaque année. On a du mal à se représenter, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup ? Ça fait 500 km. Oui, pour ça je comprends bien. Ça peut paraître beaucoup, en fait, à l'échelle de l'industrie textile. Nous, on travaille plutôt sur des petites quantités avec beaucoup de valeur ajoutée. Les quelques industriels textiles mayennais ou autres dans des bassins comme la région lyonnaise qui travaillent dans l'habillement, par exemple, sont plus habitués à livrer 12 ou 15 millions de mètres par an. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. En effet. Merci d'être avec nous, Grégoire Finde. Je le rappelle, vous êtes le patron des tissus d'Avenières à Laval. On va bien sûr continuer à parler de votre entreprise. On va d'ailleurs s'intéresser à vos clients dans quelques instants. Et Made in Mayenne continue dans moins d'une minute. Toi, oh mon toit, suis-je bien couvert ? Avec la Matmut, ta maison est bien assurée. Toi, oh mon toit, et mon ardoise ? Avec la Matmut, les tarifs n'augmentent pas en 2015. Toi, oh mon toit, tu sais me mettre à l'abri. C'est la Matmut qui prend soin de toi.
À garantie identique, selon formule souscrite et conditions définies au contrat d'assurance habitation. Bonjour, je suis David Fuenquinos et je vous invite à la grande fête du livre de Radio France les vendredis 28, samedi 29 et dimanche 30 novembre à la Maison de la Radio. 200 auteurs en dédicace, dont 30 auteurs de BD. Parmi lesquels Enki Bilal, Lewis Trondheim, François Bouc, Philippe Franck, Jules, Marc-Antoine Mathieu. 3 jours, événement. Avec le soutien du Centre National du Livre, en partenariat avec Paris Librairie. Radio France Fête le Livre, je vous y attends. Tous les renseignements sur maisondelaradio.fr. Radio France Fête le Livre. Avec Pilote, fabricant de stylo billes, stylo plumes, roller et porte-mine. À 8h53, dans Made in Mayenne, nous découvrons une entreprise qui livre 500 km de tissus par an. Linéaire, on est bien d'accord. Ouais, ce sont les tissus d'Avenir, Pascal. Exactement, nous sommes donc avec Grégoire Feinte, le patron de cette entreprise, installée donc à Laval. Alors, vous travaillez plutôt pour du tissu d'ameublement, j'ai envie de dire l'ameublement de luxe. Qui sont vos clients ? Nos clients sont ce qu'on appelle des éditeurs. Alors il y a quelques parallèles à faire avec le monde de l'édition littéraire, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Un éditeur, c'est dans le textile, c'est quelqu'un qui a une collection de tissus avec des motifs, des couleurs, des types de supports différents, des cotons, des soies, des lins, etc. Qui a des showrooms dans le monde entier et dans les beaux quartiers des belles villes du monde pour présenter ces collections-là, et des commerciaux qui vont vendre, voilà, et qui ont aussi des studios de création. Donc ça, ce sont nos clients. Et en fait, ils font appel à nous pour... présenter donc un catalogue. Pour alimenter une partie de leur collection. Donc nous, on intervient chez ces clients-là pour livrer des tissus imprimés et des tissus unis. Et qui par la suite seront donc travaillés pour l'ameublement alors ? Exactement. Ils vont être vendus soit directement à des clients utilisateurs, mais beaucoup plus souvent via des décorateurs, des tapissiers, des architectes. Depuis 2009, vous avez le label Entreprise du patrimoine vivant, une reconnaissance de votre travail, de votre savoir-faire, mais aussi, j'imagine pour vous, une responsabilité en matière de transmission de savoir-faire mayennais. Puisque c'est vrai que l'histoire de la Mayenne, la rivière, comme le département, est liée quand même à la fabrication du tissu. Et c'est aussi vous qui transmettez ce savoir-faire. Oui. Alors, on n'a pas attendu d'avoir ce label pour avoir la responsabilité de la transmission. C'est un devoir, mais avec plaisir, que d'avoir à perpétuer cette tradition d'impression au cadre plat, qui est une technique de production qui devient rare et qui nécessite un savoir-faire très, très pointu et qui ne s'apprend pas facilement. Et il n'y a pas d'école pour apprendre ça. Donc, la formation se fait chez nous en interne. On a un peu une textile académie, si on pourrait dire comme ça, de fait. Le label vient simplement, je dirais, comme une reconnaissance de l'État, de ce savoir-faire. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'obtenir un label comme ça et de figurer à côté d'autres entreprises dans des secteurs complètement différents, mais qui sont des entreprises... qui transmettent un certain patrimoine quand même. Exactement. Et un savoir-faire. Et un patrimoine vivant, c'est ça qui est important. Alors vous avez pris la tête de l'entreprise il y a 6 ans. C'était pour vous une évidence de reprendre l'entreprise familiale ? Une évidence, non. Après, c'est un petit peu comme pour tout un chacun. Il y a les hasards de la vie qui font que c'est arrivé à un moment où il y avait besoin de faire rentrer quelqu'un de ce qu'on va appeler la nouvelle génération pour diriger l'entreprise. Ça s'est fait, je dirais, de façon un peu au hasard des discussions. Vous étiez préparé ? Vous aviez une formation pour manager, par exemple ? Alors moi, j'ai un parcours scientifique au départ. J'ai une formation d'ingénieur réseau et télécom, donc a priori rien à voir avec le textile. J'avais ensuite eu un parcours dans l'informatique avec la création d'une entreprise, etc. Et puis bon, j'ai un petit peu roulé ma bosse quelques années avant de commencer à m'intéresser vraiment à l'entreprise familiale, ce qui effectivement, c'était pas du tout une évidence au départ. Bon, vous ne le regrettez pas ? Pas du tout. Alors, parmi les sujets d'actualité, parce qu'on aime avec les chefs d'entreprise parler des sujets qui sont dans l'air du temps, vous vous intéressez beaucoup aux enjeux écologiques planétaires. Oui, ça c'est quelque chose auquel je suis sensible depuis tout petit. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est comme ça. Sujet qui m'intéresse et puis auquel j'ai souhaité participer vraiment à titre individuel depuis très longtemps. Et maintenant, en dirigeant même si c'est une petite entreprise, je trouve ça intéressant d'avoir des manettes et des commandes un petit peu plus puissantes pour agir là-dessus, pour nous à l'échelle de l'entreprise, pour communiquer un petit peu aussi. Et chacun, je sais plus qui disait, c'est avec des petites pierres qu'on déplace les montagnes. Donc on essaye de faire des petites pierres et pour faire avancer les choses. Et justement, par rapport au département, la Mayenne, entre autres, on est plutôt bien desservi au niveau environnemental.
Il y a une vraie sensibilité en Mayenne, effectivement, beaucoup d'actions intéressantes menées par les différentes collectivités, par la CCI, etc. J'étais il y a quelques temps à une réunion sur l'économie verte en Mayenne. Il y a beaucoup d'actions très 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 intéressantes qui sont menées et des gens très très dynamiques et impliqués. Ça, c'est très très chouette. Merci Grégoire Fin d'être venu dans nos studios pour nous parler de votre entreprise. On vous retrouve également sur notre site internet francebleu.fr. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous aussi. Il est 8h57.